Au Sénégal, l'armée revendique la prise de bases rebelles en Casamance. Ce mardi, l'armée sénégalaise a indiqué avoir récupéré des armes lors d'une offensive lancée fin janvier avec le soutien de la Guinée-Bissau. Des cantonnements appartenant au mouvement des forces démocratiques de Casamance ont été capturés après des tirs d'artillerie et un assaut terrestre. Aucun bilan fiable n'est disponible sur d'éventuelles pertes humaines de part et d'autre. Cette opération intervient après des exactions contre les populations locales, selon des sources officielles. Depuis 1982, le MFDC mène une rébellion armée dans cette région du nord du Sénégal, séparée par la Gambie. Des tractations de paix avaient été relancées après l'arrivée au pouvoir en 2012 du président Macky Sall. Celles-ci n'avaient pas abouti à un accord pour mettre un terme à un conflit qui a fait des milliers de victimes civiles et militaires, ravagé l'économie et poussé de nombreux habitants à fuir. Début 2018, 14 hommes ont été tués près de Zingunchor, l'armée sénégalaise ayant depuis interpellé une vingtaine de suspects qui attendent toujours d'être jugés.